quoi? Stalama! Stalama! Ou quoi? Afanata! Ou quoi? Afanata! Et tu veux bien signer ça? Stalama. C'est vrai. Sortons d'abord de cette grotte. Ce dragon n'était sûrement pas enchaîné. Bouta ! Afanata. Bouta! Stalama! Stalama! Bouta! Afanata! Bouta! Stalama! Stalama! Bouta! Afanata.
Buddha! Afanata. Et tu veux bien signer ça? Stalama. C'est vrai. Sortons d'abord de cette grotte. Peut-être qu'un addendum exceptionnel te permettrait de participer au tournoi si tu leur rapportes un œil. Chouaki, Afamata. Je n'aurais pas pu dire mieux. Thank you.
Ça suffit. J'en ai fini. Ce n'est pas pour moi. Tu vas quelque part ? Oui, je rentre à la maison. Là où je devrais être. On m'avait promis merveille, aventure et île flottante. J'ai eu Daventry dans ces années de décadence. Daventry a besoin de toi, Graham. Je sais que tu t'attendais à autre chose, mais sois patient. On va arranger ça ensemble. Avec les bonnes personnes, ça peut redevenir formidable. Ce n'est pas moi, ça. Et arrêtez de croire en moi. Vous pouvez y perdre la vie. Ok, pars. Tu n'as qu'à devenir dentiste, tiens. Hatchaka a dû se tromper. Quoi ? Non, rien. Ravi de t'avoir connu, Graham. Crash ! Eh bien, on a discuté pendant ton test de chevalerie et Hatchaka a émis des hypothèses à ton sujet. Tu n'as pas trouvé bizarre qu'Hatchaka participe au tournoi, Graham ? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi ? Oui, mais je n'ai appris que deux mots de sa langue. Une terrible famine a frappé le village d'Hatchaka, Migratouille. Il a quitté sa pauvre famille pour participer au tournoi. Il espérait obtenir une audience avec le roi pour lui demander de l'aide. Ce n'était pas gagné. Super! Alors, à cause de moi, c'est la famine pour tout un village. Je me sens mieux. Non, grâce à toi, un village va être sauvé. Tu as impressionné Hatchaka. Il t'a observé pendant ton voyage jusqu'à Daventry et il m'a dit que tu avais l'air de quelqu'un capable de changer les choses. Plus que ses sauts sur pattes, en tout cas. Si tu ne veux pas participer pour toi ou pour moi, fais-le pour les Bigratouillens. Ils ont besoin de toi. Tu es leur dernier espoir. Quel dommage. Mais le tournoi continue. J'ai fait des progrès. Hatchaka n'a pas lâché l'archer. Ok, celle-là n'était pas si mal. Eh bien, merci.
as-tu abattu tous ces gobelins? Prestement ou avec patience. Tu devras attendre pour le savoir. Joli tir, bon Dieu, tu es trop fort! Garçon! C'est bien ton nom, n'est-ce pas? Mince! Loué soit les étoiles! Où as-tu appris à tirer comme ça? Je ne parle pas gobelin couramment, mais je suis sûr d'avoir compris les mots licorne et musée majestueux. Monsieur Choucrème est trop sauvage pour vivre en cage. Écoute, je voulais m'excuser pour mes maladresses et te remercier de m'avoir sauvé. Rendez-moi l'argent, sale marchand! Aucun problème, aucun problème! Voyons. 1, 2, 3, et 1! Je t'en donnerai volontiers plus, mais des gobelins ont cambriolé mon chariot. Maintenant que c'est réglé, j'ai un service à te demander. Peux-tu apporter cet ingrédient rare et miraculeux à la boutique magique amateur en ville? C'est une somnifeuille. Attention pendant le transport. Monsieur Choucrem en a mangé une fois et il a hiberné pendant des jours. Bon, faut y aller. Heureusement que j'ai de bonnes jambes. Merci encore, mon garçon. Je n'oublierai pas. Ça donne à rien. Le marchand s'en est souvenu? Le marchand a oublié immédiatement. Les écureuils s'en souviendront? Les écureuils s'en souviendront sûrement.
Tu n'es pas le livreur, hein? Oh, ce marchand est généralement si rapide avec nos ingrédients délicieux, rares et miraculeux. Oh, mais enfin, Chester, ce garçon n'est pas un messager, c'est Graham, celui dont je t'ai parlé. Oui, Graham le cœur tendre, l'écuyer au cœur d'or. Sérieusement. Mais vous êtes des diseurs de bonne aventure ou quoi? Non, on est seulement vieux et portés au jugement. C'est vrai, nous jugeons. Voilà mon visage de juge. Muriel et moi, on ne lit plus l'avenir. Oh oui, ça n'avait aucun avenir. On s'est recyclé dans les potions, les babioles et une blague de temps en temps. Notre sagesse est gratuite. Mais pour tout le reste, c'est au moins une pièce d'or. Regarde autour de toi, mon garçon. Dis-nous si tu vois quelque chose que tu aimes. On aurait dit comme une lanterne brisée. Une chose mystérieuse et magique mijotait dans ce chaudron. Oui, petit. Alors, je dois savoir, qu'est-ce qui mijote dans ce chaudron? Un élixir de transfiguration? Une potion d'invincibilité? Si je bois, vais-je comprendre la langue des animaux? Avoir les ailes d'un aigle? Ou d'une mouche? Oh, ça! Une potion de blanchiment dentaire. Ça va tout changer! Regarde! Vois la puissance du détartrage! Oh, eh bien, nous travaillons encore sur les détails. Je crois qu'il nous faudrait une cuillère à café d'élixir d'haleine de crapaud. Un élixir d'haleine de crapaud? Où est-ce? Voyons, on semble en manquer. Tu as encore tout bu, n'est-ce pas? Muriel, ma glycémie est basse. Oh, c'est tellement bon! Comme tu ne peux pas garder tes mains loin de nos fournitures, nous arrêtons la production. Cette potion attendra que le marchand apporte notre livraison. Si tu trouves un crapaud, apporte-le-moi et je te donnerai un échantillon de cette potion. Et je pourrai voir les restes délicieux des crapauds. En attendant, plus de trempouillage. Combien pour cette bougie? Notre lanterne à flamme bleue éternelle? Le boîtier est cassé. Quelqu'un l'a apporté pour la faire réparer, mais n'a jamais payé. Si tu nous apportes quelque chose qu'on puisse creuser pour y mettre la bougie, tu l'auras pour une misérable pièce d'or. Adieu! Puisse ton cerveau se remplir de savoir. Bien, donne-nous une pièce d'or et la lanterne bleue sera à toi. Merci, mon petit. Et voici une magnifique lanterne au potiron avec une bougie à flamme bleue. Notre commande est enfin arrivée. Enfin une partie au moins. Chester, rappelle-moi de laisser une mauvaise note à ce marchand sur le forum. Oh, ça devrait faire l'affaire. On y est presque, mais il faut encore la laine de crapaud. Eh bien, content d'avoir pu aider. Oui, et en gage de notre gratitude, nous avons décidé de te remettre cette fiole de poudre d'hypnose qui est périmée. Ça peut marcher. Faudrait qu'on la termine. Oui, il manque des larmes de bébé ou de l'extrait de sucette. Je peux vous apporter quelques poils de Monsieur Choucrème? Non, il faut des raisins. Voilà. Merci.
Et lequel t'as essayé en premier? Le duel de vitesse ou de force? Il fallait que j'approche pour apprendre ce qui se passait. Où est-ce que tu vas tout le temps, Olfi? Olfi a des choses très importantes à faire. Les pains aux raisins sont arrivés. Ah, je te l'ai déjà dit, j'ai oublié les pains aux raisins. On peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Les amis, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On pourrait croire que dans cette grosse tête, il y a un cerveau plus gros qu'une noisette. Olfi, il te trompe avec une telle facilité. Tu dois te lever pour défendre nos droits. Allez! Mais Olfi aime s'asseoir. Ça soulage son dos. Écoute, Pilar, je suis dans ton camp, mais tu dois travailler avec moi. Nous devons construire des ponts et surmonter ça. Quel compromis pouvons-nous accepter? Ah! Pas de compromis. Ces petits ingrats écrabouillent les épaules de géants sans se demander sur qui ils marchent. Ils sont montés au sommet, mais ils ont oublié qui ils ont utilisé comme marchepied. Et nous, qu'avons-nous gagné? Qu'est-ce que ça fait là? Ce qui arrive quand on se met en travers du mauvais pont. Oh mince, Pilar, je ne sais pas. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ne nous apprécie pas, mais c'est sûr que je ne dirai pas l'inverse non plus. Un raccourci. Les ponts ne poussent pas sur les arbres. Ils poussent sur nous. Si Daventry veut qu'on se remette au travail, que les gardes cessent de nous briser le dos. Olfi peut être d'accord avec ça. Merci d'avoir fait sortir Olfi. Cette réunion devenait difficile. Je commence à douter de son implication envers notre guilde. Il faut qu'il apprenne à mieux gérer son temps. Il doit savoir que nous n'avons pas les pains aux raisins. J'aimerais qu'Olfi arrête de bouger. Cette réunion a déjà trop de retard. Allons... Le code secret. Et le mot de passe. Sambot. Très bien. Désolé. Olfi a mangé une tarte aux baies étoiles pour 4 heures. Trop riche pour Olfi. Tape maintenant le code secret. Oui, et... Alors? Et ensuite? Ah, tu as le mot de passe? Ça me botte? C'est correct. Attends. Hé! Toi, tu ressembles pas à un troll? On dirait un pain au raisin. J'adore les pains aux raisins.
Ce n'est pas un pain au raisin, c'est une noix. Et aussi une amie Dolphy. Laisse-la rentrer, Pilar. Un ami Dolphy, c'est généralement un imposteur. Je n'arrive pas à croire que vous ne reconnaissiez pas l'un des vôtres. Moi aussi, je suis un troll de pont. Vous voyez ? Vraiment ? Pourquoi tu l'avais pas dit ? Eh bien, je sais que les trolls de pont de différentes régions peuvent parfois être en guerre. Et je ne fais que passer. Ami ou pas, il va falloir prouver que tu es vraiment un troll. Viens donc faire la danse secrète de la guilde des trolls de pont avec moi pour voir. Impossible. Très bien. Eh bien voilà, Pilar. Il m'a tout l'air d'un troll à moi. Madame Loi de Pont, députée par Liudor, en mon nom, en celui du grand conseiller de la guilde des trolls de Pont de Daventry, je vous souhaite la bienvenue à la réunion de notre groupe. Un avis extérieur sur la grève nous sera utile. Tant qu'il est avec moi, tout va bien. Et comme j'en ai assez de supporter les gens de Daventry, j'ai récupéré toutes les embouchures de cornes de trolls. On ne peut plus les utiliser. Eh bien, Pilar, ça c'est plutôt extrême. Pas assez extrême. Il faut détruire ces cornes une fois pour toutes. Il faut leur montrer que nous ne sommes pas à leurs bottes. Daventry a perdu ses trolls de pont. Et je vais mettre le feu à ses cornes. Ben, où sont tes cornes, Pilar ? Les miennes sont déjà en haut de la colline où je vais emporter toutes celles-ci. Tout le monde pourra les voir brûler. Toi, le nouveau, envoie ce qui sert à t'invoquer. Tu en es aussi. C'est mignon. Une petite cloche de pont pour une petite oie. Ok, bien. D'après l'ordre du jour, nous devons à présent discuter de nos tactiques de négociation. Quelle est notre stratégie pour empêcher ces gardes de nous écraser le dos ? Oh, ils devraient traverser pieds nus sans ces talons pointus. Je pense que nous devrions manger leurs jambes pour les obliger à ramper. Très bien. J'apprécie vos suggestions, j'en tiens compte, mais il faut une solution qui profite à tous. Qu'est-ce que t'en penses, Oie de Pont ? Je suis d'accord avec Olfi. Merci. Tu es sage, l'ami. C'est noté. Changeons de sujet. Olfi, c'est à toi d'apporter les casse-croûtes la semaine prochaine. Salées ou sucrées ? Olfi adore le goût du sucre. Olfi, tu mangerais n'importe quoi. Mon palais, lui, ne tolère que le salé. Je comprends, mais il faut que cela convienne à tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, Oie de Pont ? Moi aussi, j'adore le sucre. Des gâteaux. À ventre heureux, amis heureux. Ok, continuons. Nous devons choisir des vestes pour notre équipe. Le tailleur n'en peut plus d'attendre notre décision. Olfi veut une licorne et un papillon sur le logo avec le slogan « Bâtisseur de pont vers l'avenir ». Non, notre veste doit être provocante. Choisissons quelque chose d'épique qui se gravera dans leur esprit. Des trolls dévorant des humains. Et pour slogan, manger des hommes. Ce sont de bonnes idées, mais nous devons nous mettre d'accord et agir ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Oie de Pont ? Je pense comme Olfi. Il faut des papillons et des licornes. Le pont de l'amitié résout
tous les problèmes. Voyons les tactiques de négociation pour que les gardes prennent soin de notre dos. Qu'ils marchent pieds nus. Mangeons leurs jambes. Obligeons-les à ramper. Les amis, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. C'est vrai, Waddle a raison. On se répète. Je pars avec ma corne. Arrangez-vous sans moi. D'accord. Bon, bien, il est temps d'ajourner cette réunion. Je vais réussir. Cette cloche ne m'était pas très utile, mais la corne de Waddles allait m'ouvrir de nouvelles voies. Salut Waddles! Ce feu est plus difficile à allumer que ma mauvaise humeur. C'est trop de stress, mon estomac gargouille. Dans ce tas, il y avait la dernière corne dont j'avais besoin. Avance, si tu veux brûler. Ah, il doit y avoir du petit bois dans le coin. Pulvérisation! Je me sens pas bien. Fais une sieste. Besoin d'une sieste. C'est seulement un drôle de rêve. Les adolescents n'ont aucun goût. Désormais, j'avais tout ce qu'il fallait. Viens ici, on attend. On n'a plus de radeau. Alors, débrouille-toi.
Olfi veut aider. Préviens le garde quand tu seras prêt. Bonjour. Tu es prêt à commencer? Allons-y. Je suis prêt. Bien. Que commence le duel de force. Content qu'on puisse régler ça avec classe. J'aurais dû rester au Plumard. Adieu. La nation des écureuils est pour bientôt. Je suis là, Graham. Je suis pour toi à fond. Je dégustais un excellent verre de fromage, mais non, ça c'est beaucoup plus important. Bonjour, tu veux réessayer? Quelles sont les règles? La règle est facile, pour une fois. Si tu restes sec, tu gagnes. Allons-y, je suis prêt. Bien, que commence le duel de force. Encore une fois. Oh, c'est un plaisir de te revoir. Oh, tu me réveilleras. Attention! Les efforts des chevaliers sont récompensés. Bouh! Il triche avec ce méchant troll! Bien pensé, Graham! Regardez, Madeline. Tout ce qui est dans la lumière sera à vous. La vue de la victoire. Attends, non! Tout doux, tout doux! Personne n'a besoin de voir où elle va! Attention, attention! Ne l'emmêle pas! Tu essaies de passer à la corde? On ne me bat pas au tir à la corde. J'ai trébuché, mais je reste fort comme un bœuf. Waouh! Il pourra pas dérouler assez vite si on continue à ce rythme. Faire attention où je marche et récupérer toute la corde. Arrête de tirer sur la corde! Tu essaies de passer à la corde? Attention! Mes cordes! Je t'ai eu, maigrichon! Continue comme ça! C'est enfin fini, Madeline. On a gardé notre secret. Je n'ai pas trop menti. J'ai bien capturé un Wetzel. Tu l'emportes encore, Graham! On ne me bat pas au tir à la corde. Encore! Quand il verra où mène cette corde, il va pas aimer. Il se rapproche, princesse Madeline. Faites quelque chose. J'ai trébuché, mais je reste fort comme un bœuf. Ah, c'est la croix et la bannière. Si tu recommences, tu risques de réveiller le taureau. Tu
n'aurais pas dû faire ça. Cette corde retient le taureau qui est en moi et l'empêche de sortir. Ok, tu m'as eu deux fois. Super! On va dire qu'il y a égalité. Ne bouge pas. Serrons-nous la main et restons amis. Tu joues les premiers de cordée. Waouh! Ouch! Ouch! Le taureau s'éveille! Attention, mon petit. Certains fils ne doivent pas être démêlés. Quand on ne se remue pas assez, la jeunesse s'écorne. Ouh, j'aurais besoin d'un bain chaud. Tu veux bien me masser la nuque, hein? Non? Ça vaut rien d'essayer. C'est un tricheur, mais pas selon l'addendum 4934. C'est ça, Graham! Il y a une raison pour laquelle je garde mon secret sous la corde. Ah, ça ne te fera pas plaisir. Ok, très bien. Mon secret va voler ton or. Ça gâche tout. Non! Le démon Drosdek! Psst! Maintenant, c'est l'heure du rire et du ridicule. Oh, ça! Non, arrête! Tu aggraves les choses. C'est toujours amusant. Tiens, reprends ça. C'est collé à ma main. Je n'en veux pas. Ne bouge plus. Désolé, je ne suis pas désolé. Madeline, débarrasse-toi de ça. C'est l'heure d'écraser. Oh, wow. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais douté de toi. Avec l'aide de quelques trolls et de Mani, j'avais vaincu ce géant et dévoilé ses faiblesses. J'approchais de l'adoubement, mais sans enthousiasme. Oh, nous aussi, on aurait besoin d'un coup de main. Oui, oui, par ici. Non, Olfi, stop. Oh, j'en ai assez de leurs ordres. L'heure a sonné. Montrons à ces ingrats ce qui arrive quand le pont en a ras le pompon. C'est agréable de se faire piétiner. Courez! Courez! Revenez, bande de pieds pointus! Courez! Oh, Pilar, stop! Cela va entraîner un tas de paperasses inutiles! Bah, attendez, on le fit, les gars! Quoi?
Hé, hey, mon grand, tu veux discuter? Disparais. Tu as fait suffisamment de dégâts. À la prochaine. C'est une grosse blague? Tu me dégoûtes. Oh, ma chaussette! Je croyais qu'elle était fichue. Écoute, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. C'est devenu un peu confus, même bizarre. Je n'aurais pas dû m'emporter. Les gens me voient comme un gros dur. Mais mon rêve est d'ouvrir un atelier. Je suis juste là pour faire plaisir à mes parents. Tes créations sont très jolies, vraiment stupéfiantes. Personne ne m'avait jamais félicité pour mon travail. Enfin, à part les écureuils. Merci vraiment, Graham. Oh, de rien. Si vous voulez les vendre, dites-le-moi. Je pourrais sans doute en tirer une petite pièce d'or. Mais ce ne sont que des chaussettes. Tiens, prends-les. Elles sont peut-être un peu grandes, mais tu n'as qu'à les mettre par-dessus tes chaussures. Waouh, merci. Je t'en prie. Salut, Graham. J'aurais bien besoin de votre force pour bouger ce rocher là-bas. Pas de problème, mon petit. Il pourrait y avoir une surprise pour toi ici. Pourquoi voulais-tu travailler pour le royaume de Daventry? Je suppose que j'ai vu son potentiel. Ce n'était pas le royaume que tu connais aujourd'hui, mais je n'ai jamais eu peur des projets créatifs. Graham, un écureuil m'a annoncé la nouvelle. Je suis désolé pour toi. Je veux t'aider. Ah, ce qu'il me faut pour finir mon beignet aux noisettes. Voici ton échantillon gratuit. Alors, dis-moi, que vas-tu prendre ? Alors, vous avez des informations? Oh, ça se voit. Je rougis. Je suis fiancé, Graham. Mon amour Brambell a dit oui. C'est super. Félicitations. Ah, la soirée était parfaite. La vue magnifique. Et les insectes gardés à distance. Continuez comme ça, Wenty. À bientôt. Et n'oublie pas, suis toujours ton cœur. Parle. De quoi ai-je besoin pour un duel de vitesse? Mène ton fidèle destrier à l'arène du tournoi quand tu seras prêt pour le duel de vitesse. Tu as un fidèle destrier, non? Adieu! À tout à l'heure!
Des trous bizarres ont été creusés dans le sol de la forêt. Où conduisent ces trous ? Comment ma pièce a fait pour tomber ici ? Triomphe ? Comment es-tu arrivé ici ? Attention ! Rien ne résiste à l'effriteur. Trop facile. Triomphe ! Comment va ? Il était bon, le steak, au moins ? Écoute, je sais que tu viens de tomber de l'arbre, mais il y a ce duel de vitesse et je me demandais... Je n'aurais pas dit mieux moi-même. En avant ! C'est pas vraiment la chose la plus étrange que j'ai vue aujourd'hui. Non, fais pas attention à nous. On fait juste un peu d'exercice. Jour d'exercice. Moi, c'est Larry. Et lui, c'est Kyle. Graham, on sait. On t'a observé. On pense que tu as du potentiel. On te soutient. Eh bien, merci, j'ai... De rien. On est avec toi. Si t'as besoin de nous, n'hésite pas, comme ça. Hey ! Bonne chance pour les duels. Le duel de vitesse. Il fallait espérer que la panique me donnerait des ailes. C'est pas cap. Branche ! Attention la tête, Germain ! Thierry ! Je ne vois rien ! Attention à la crinière ! À gauche ! À gauche ! À droite ! C'est bon ! Compris. Gauche. Compris. À gauche. C'est bon. Kyle, Larry, danger. Je vais te couvrir, Graham. Hop, 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 hop. Et... Zou ! Et... Zou ! Et... Zou ! Faut
lui montrer comment monter. Salut, Muet! Qu'est-ce que tu essayes de faire exactement? Je parie que vous ne pouvez pas gagner. Marche arrière. Quoi? Hey, Muet, peux-tu arriver? Muet! Tu peux pas gagner cette course. Et partagez vos légendes avec ses gardes. Muet peut le faire. Enfin, le monstre d'ivoire se dévoile. Quoi? Hey, Muet, peux-tu arriver? D'après l'addendum 2, section 5, il reste un tour. Et... zou! Et... zou! Et... zou! Muet! Tu peux pas gagner cette course. Debout sur les mains. Muet peut le faire. Ah! Muet regrette sa décision passée. Bien joué, Graham! Je t'avais dit de ne pas te reposer sur tes lauriers. Muet! Tu peux pas gagner cette course. Marche arrière. Muet peut le faire. On peut y arriver, Graham. Regarde derrière, ton propre reflet. Muet, tu peux pas gagner cette course. Et partagez vos légendes avec ses gardes. Muet peut le faire. Enfin, le monstre d'ivoire se dévoila. Quoi? Hey, Muet, peux-tu arriver? Reviens, Muet! Ton histoire était palpitante! C'est oui, bien ça, sûr! Graham. Oh, bien tu parlais joué, à Graham! On savait que tu en étais capable! Bien joué, Graham! Mon alliance avec Manny portait ses fruits. Il vainquit aisément Gren lors du duel de vitesse et remporta le duel de force contre Muet. Je me rendis alors à l'arène pour affronter mon ami lors du duel d'esprit. J'ai juste à demander. Pas de questions. Je ne sais pas si tu pourrais entendre les réponses entre mes sanglots. Tu aurais pu perdre. Muet est un idiot. Tout le monde pense que Muet est un perdant. Même la mère de Muet. Elle me l'a dit après la course. Tu pleures? Quoi? Non, Muet, Muet ne peut pas y arriver. Je suis désolé, Graham, mais sous ce couvert d'excellence, il y a un homme qui court, très vite d'ailleurs, loin du danger. C'est la vie, Muet. Continuez. Un autographe? Tu es toujours fan de Muet? Tu veux m'avoir sur ta table de nuit pour l'éternité? Eh bien, je ne peux pas décevoir mes fans. Alors, voilà, à mon fan Graham, c'est ça. Pour toujours, cherche l'aventure. Signé Muet. Merci, l'ami.
Ça fait du bien. Salut! Dis, Muet, tu pourrais m'aider à attraper un crapaud? Muet peut le faire! Ces maléfiques dragons sauteurs ne peuvent rien contre Muet! Je suis prêt à tout pour un ami! Graham, je vais prendre l'air pour travailler sur mon projet de dague. J'ai du mal à croire que quelqu'un ait volé ton lit. Comment aurait-il fait? T'as une drôle de façon de faire des compliments. Comment puis-je le savoir? Si je ronflais pas aussi fort que le bruit que fait Mamselle et Fritter en perçant des arbres, peut-être que j'aurais pu les entendre venir. Au revoir. Oublie ce que disent les autres. L'épée est plus puissante que la plume. Oh, toi, on dirait que tu as besoin d'un câlin. Oh, j'adore cette journée. Alors, il faut que je demande, où avez-vous appris à cuisiner? Oh, c'est ma mère qui m'a appris, et j'ai continué tout seul. On ne peut pas apprendre à cuisiner sans amour, et il faut qu'on vous en donne. Comment je m'en sors jusqu'à présent? Je le savais. À la seconde où cet adorable minois a passé la porte, j'ai su que tu étais une belle âme. J'espère que tu continueras à montrer que la tarte est plus forte que l'épée. Oh, mais ça suffit avec cette évaluation. Je me marie et je suis de très bonne humeur. Au revoir. Évite les ennuis. Oui, oui, oui. Donne-moi ça, garçon. Oh, ça a marché. Splendide. Notre potion de blanchiment des dents est terminée grâce à toi. Ouais. Et une promesse est une promesse. Voilà ton échantillon, mon garçon. Et tu as quelque chose qu'il faut faire changer de couleur? Quelque chose qui doit ressortir? Utilise-la bien. Il n'y a qu'une seule dose. Question. Où se déroule le duel? Le duel d'esprit se tiendra dans l'arène. Il me semble que Mani t'y attend. Adieu! À tout à l'heure! J'espère que cela vous plaira, princesse Madeline d'Avalon. La guilde des trolls de pont et la garde royale n'a jamais été si élevée. Il faut trouver un accord rapidement. Les ponts doivent nous laisser passer et faire part de leurs doléances. Nous voulons que vous marchiez plus doucement sur nos dos. Je n'ai pas de temps à perdre avec des avis. Il faut qu'on trouve une solution pour les ponts. Arrêtez de vous plaindre et retournez au travail. C'est pour moi? Oh, j'ai l'impression de marcher sur des nuages. Et quel admirable travail! Il en faudrait une paire pour chaque garde royale. Ah, elles sont douces et soyeuses, mais ce n'est pas prévu dans le contrat. Je pourrais créer un addendum pour ça. On pourrait marcher comme on veut, tout en étant protégé par les chaussettes.
Ah oui, ce serait super. Un vrai compromis qui satisferait tout le monde. Je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire. Merci, Graham. La guilde n'oubliera pas. On se revoit à la prochaine réunion. Les nouvelles chaussettes ont adouci les choses. C'était un pas dans la bonne direction. Je commence à m'y faire. Je suis content parce que, pour les trolls, ce n'était pas le pied. Bienvenue au duel d'esprit du championnat. Enfin, la version familiale. Coupure budgétaire. Mais prends tes aises et sache que nous avons déjà gagné. Notre allégeance nous garantit une bonne place à la cour du roi Édouard. Et comment c'est censé marcher? Avant de parler des règles, je propose un toast et j'offre une opportunité. Ce jeu embrase l'imagination de certains, mais je le trouve trop simple. Il lui faut un défi mental supplémentaire. Garde, le cidre de raisin, je vous prie. C'est mon jeu préféré, mais je n'y ai plus joué depuis longtemps. Tu connais la poudre d'hypnose? Une simple dose et tu devras faire tout ce que je te dis. Ou vice-versa, bien sûr. Voilà pour la poudre. Garde numéro 2, si tu veux bien. Je prends ça. Bon, apparemment, tu as le vainqueur. Et maintenant, on joue. Le but du duel d'esprit est de toucher le pion de l'adversaire avec une flèche en déplaçant ses pièces sur l'échiquier. Ton pion tire une flèche après son déplacement. Je commence. Quand j'aurai bougé ce bouclier, regarde comment la flèche rebondit sur les boucliers. À ton tour, Graham. Je ne veux pas faire mon garde royal, mais les règles interdisent de bouger un bouclier que l'adversaire a déplacé au tour précédent. Déplace le bouclier en bas à gauche sur ta gauche. Cela me ravit que nous travaillions au château ensemble, Graham. Et si je deviens roi, tu feras un excellent conseiller. Je vais déplacer ce bouclier. Il faudra qu'ils acceptent que ce qui compte, c'est à l'intérieur. Adadom, tu peux déplacer un pion et le faire pivoter pour changer la direction de son tir. Fais pivoter le pion dans le sens des aiguilles. La flèche part toujours dans la direction que tu regardes. Tu comprends combien j'ai dû planifier pour en arriver là. Je vais faire pivoter ce bouclier. L'effet de la poudre d'hypnose s'estompe. Bouge comme tu veux. C'est pas que ça fasse une différence. On dirait que mon intelligence règne en maître. J'ai gagné! Mettez à jour le tableau des scores! Nous devons faire quelque chose! Graham va perdre! Vraiment? Mais vous savez tous que j'ai gagné!
Désolé, mais le décret 3214 dispose qu'un garde royal doit assister à tous les combats et que les victoires doivent être validées par huissier, afin d'être enregistrées pour la postérité dans nos archives. Malheureusement, l'échiquier a été compromis avant qu'un huissier ne valide la victoire. En conséquence, cette victoire est annulée et vous devrez remporter une nouvelle partie. Nous sommes désolés, mais vous parviendrez sûrement à obtenir une nouvelle victoire. Vous êtes les gardes les plus ridicules que j'ai jamais rencontrés. Peu importe, cela ne fait que repousser mon adoubement. Je suis prêt pour une nouvelle victoire. En garde! Déjà de retour, du jus de raisin. Une impression de déjà-vu. Poudre d'hypnose. Mélange. Et maintenant, choisis. Je prends ça. Oh, excellent choix! Et je n'ai plus de poudre d'hypnose. Et maintenant, on joue. Ça devient absurde. Combien de fois dois-je te battre? C'est incroyable ce que cette brute avait dans le ventre. Quelle déception. J'aime bien. Ça ne me fait pas plaisir de l'embarrasser. Graham, cette andouille ne nous acceptera jamais. Il devrait s'en tenir au tricot. Pensais que je ne le remarquerais pas. Tu es sûr de pouvoir supporter une victoire, Graham? Ce serait mieux que je prenne le château d'abord. Pour le décret 3214. En fait, je crois que c'était le décret 1.21. On savait que tu en étais capable. Tu n'es pas dans l'alliance. Je ne peux pas perdre face à toi. Que dis-tu d'un autre défi? On n'a qu'à régler ça dans un duel d'esprit. Un vrai gentilhomme gagnerait aussi dans un duel de force. Graham, prends ça. Choisis, bébé. Allez, vas-y, choisis. Allez, vas-y. Voilà. Mmh.
Encore un défi. Tu penses t'en tirer dans un duel de vitesse? Non, Manny, c'est fini. Ce ne sont pas toujours les forts qui gagnent la guerre, ni les rapides qui gagnent la course. De même, on peut vaincre les malins et je crois que mon heure a sonné. Allez, Graham, encore un duel pour Achaka, pour le village des Tritanguiens affamés. Hop, 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 hop. Vous dites que ce village abrite les Bigratouliens. Quel est votre plan, en fait? Parce que je commence à... Duel de vitesse! Non, Graham, il n'en vaut pas la peine. La grève du pont résolue, les boutiques pouvaient être de nouveau approvisionnées. Les affaires reprirent enfin. Les loups Wetzel cessèrent leurs attaques et migrèrent au nord. Même les gardes se mirent à faire plus attention en marchant. Au bout du compte, cette première journée à Daventry s'était bien passée. C'était waouh! Attends, tu as affronté un dragon, tu t'es fait des amis étranges, un duel d'esprit, je comprends pas. Quoi donc? Après une telle aventure, on deviendrait plutôt fou allié que chevalier. Oh, dis-moi, était-ce ton premier jeu de mots? Je crois bien. Mais quand même, j'ai un peu honte. Ils grandissent si vite. Le tournoi, il va commencer! Tu ferais mieux d'y aller, jeune fille. Bonne chance. Et surtout, n'oublie pas, remporte le duel avec dextérité. Tu m'as pourtant parlé de vivacité d'esprit. C'est vrai. Ressonger au passé m'a rappelé certaines choses que j'avais oubliées. Mieux vaut faire ce que je fais, pas ce que je dis. D'accord, grand-père. Merci. Tu vas regarder? Bien sûr, bien sûr. J'y vais dans un instant. J'espère que tu t'es entraînée, Gwendoline. Non, j'ai juste entendu des histoires. Tu as appris tout ça, des histoires de grand-père ? C'était une histoire totalement enflammée. Peut-être qu'il n'a pas complètement tort. Les enfants! Les enfants! Venez, vite! C'est votre grand-père!